Voilà. Donc, nous avons touché un petit thème. Et moi, aimez-vous Dieu plus que tout. Alléluia. C'est juste en question. Est-ce que nous avons pensé que nous aimons bon Dieu plus que tout? Ou pas besoin de répondre moi? Chaque monde sa réponse sa bakoyo. Est-ce que nous aimons bon Dieu plus que tout bagay? Ça sont belle question. Amen. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non, bien-aimé? Est-ce que nous aimons bon Dieu plus que tout bagay? Aimez-vous Dieu plus que tout? Nous regardons le texte de base, non? Qui a point en Jean 21, verset 15, jusqu'à 17. So when they had dined, Jesus saith unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith unto him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he saith unto him the third time, Lovest thou me? And he saith unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de m'aimes ceci? Il lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit une troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Pour nous qui connaissons l'histoire de là, après... Jésus était ressuscité. Noé était déjà présenté quand il y a plusieurs côtés pour ses disciples. Noé, il y a ce côté qui est présenté quand il y a dit dans Jean, c'est bon la mer. Avant Jésus présenté quand il y a pour ses disciples, nous connaissons ces disciples-là. Ça te fait triste pour yon mettre tes morts. Il n'y a pas physique avec yon tout le temps. Mais Jésus te apparaît et vie disparaître comme il était parce qu'il était esprit encore glorieux. Yo Pierre, yo passé. Alléluia. Bon la mea. Tiberiade, c'est ça qu'on faisait carrière, Tiberiade, bon mais Tiberiade. Et pendant qu'il passait là, Pierre dit, nous allons aller pêcher. Et tout disciple qui était là, il dit, d'accord, nous allons aller, nous allons faire un coup de pêche. Quoi changer bien? Bon Dieu déjà dit, Pierre, quitter toutes ces bâtiments là avec suivre moi quand il faut pêcher d'homme. Mais Pierre qui est désespéré par tout ça qui passait, pas comprendre qui ça qui passait, c'est bon la mer, il dit pas rien pour faire, il pas ça pour faire, il dit il vient pour pêcher.
Et ils font goût de pêche. Et oui, tout disciple est bien. D'accord, nous cabaquer. Puis ils parti, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas point rien. Et pendant un jour, nous avons remarqué qu'il y a un monde qui a passé dans les lancements. Et qui a dit, j'étais filé les autres à droite. J'étais, et puis il dit, yo prend prasson si tellement. Il était difficile pour yo te mener. Et là, yo gardé pêche là, yo prend. Il y a un disciple qui était aimé Jésus, qui était auprès de Jésus. Il dit, Pierre, c'est maintenant, c'est Jésus. Pierre lâche quand il y a de l'eau, il mettait le manteau en l'air, il lâche quand il y a de l'eau parce qu'il était tout ni. Et c'est de là, il a nagé et il a dit, Philéa, il a tant Christ. Là, il a allé en l'air, l'ancien, il a dit, c'est Jésus. Il tenait poisson en l'on fait avec pain. Et Christ dit, allez pour danser poisson en zot, avec mené il vini aussi. Et vini nous qu'à manger ensemble. Pierre était pour une bonne pêche, il dit. Autant poisson, malgré pêche, là, il prend, il dit, filet à pas pété. Et c'est une go prise. Selon la statistique, c'est pêche talent, gosser ces poissons en terre, c'est pas normal que filet a pas pété. Mais comme Christ, c'est lui qui te dit la Dieu. Christ promet yo prendre parce que c'était pour virer rafraîchir l'esprit Jean. Moi j'applaudis pêcheur d'homme. Et filet spirituellement qu'il prend plus que ça. Donc Jésus qui connaît tout bagay, il parlait en fait par Jean. Première question il posait, il est venu parce qu'il remarquait Jean aimait la pêche. Et Jean prend poisson. Pierre prend poisson, merci. Pierre prend poisson. Écoute là, Pierre fait une belle pêche. Et c'est pourquoi il posait la première question. Il parlait avec et dit Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que quoi? Est-ce qu'on aime moi plus que ce baïta là? C'est une belle question. Parce que il est désir à tenir parce qu'il aimait la pêche et puis ses pressions avec ce baïta là. Il vit en ça. Est-ce que ou aimez-moi plus que ces bagailles là? Maman, est-ce que nous venons en Christ? Et nous pour poser nos questions. Est-ce que nous aimons bon Dieu plus que toute bagaille? Eh bien, lorsque nous convertis, la Bible a parlé à Apocalypse des premiers l'amour nous. L'amour, nous n'est pour développer en l'amour pour Dieu passer toute l'autre bagaille. Changez bien. En l'autre bagaille, nous a essayé, j'ai lâché nous. En l'autre monde, j'ai déçu nous. En l'autre bagaille, nous essayé, nous pas réussi. Et c'est seule manière nous qu'il ça réussi, c'est si nous aimer bon Dieu plus que toute bagaille. Et oui, sou aimer tout bagay passé bon Dieu, ou kay rive pè tout. Mais sou aimer bon Dieu passé tout, bon Dieu kay ba ou tout. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Quel est important. Donc il parlait avec il dit, est-ce que ou aimer moi passé toutes ces bagay ta là? Il dit oui maître. Ça facile à dire oui en premier coup. En deuxième fois, et premier coup, il dit, il aime là, passer toutes ces bagailles là, ok. Changez bien, est-ce que vous aimez moi passer tout ça? Posez. Prends soin, c'est l'agneau. Amen.
C'est-il l'agneau, c'est ça qui est fragile, là, c'est pas vrai? Les plus fragiles, les plus petits, etc., les plus fragiles. Donc, nous regardons, nous avons travail en pasteur pas facile. Jésus qui a parlé les deux sortes, nous n'est pour prendre soin de l'agneau et nous n'est pour prendre soin de brebis. Amen. Mais est-ce que vraiment ça qui consiste, eh bien, ça qui a parlé les textes uniquement des bergers, c'est à la responsabilité à chacun leader que bon Dieu a appelé. Aïe, aïe, aïe. Moi, je dis, ça, c'est les responsabilités à chacun leader, à chacun monde, à chacun famille, à chacun monde que bon Dieu a appelé. Nous, là, pour faire un travail, c'est pour travailler by bon Dieu avec point soin yon à l'autre. Quand nous te dit, nous, c'est compagne yon à l'autre. Pas qu'on kayen qui dit, moi, pas compagne. Frère, moi. Vous trouvez ça? Amen. Si nous l'accompagnons, nous l'avons pour aider, nous l'avons pour travailler ensemble. Donc, Jésus, plus précisément, tu as parlé de Pierre là. Parce qu'il savent Pierre, tu prend. C'est Pierre qui était là, Dieu, manteau en l'air en tant que responsable de l'église là. En tant que Pierre qui a construit en l'église spirituelle. Donc, il dit qu'il fait ça. Est-ce que vous aimez passer toute bagaille? L'idée que vous aimez mener nous, Rodia, est-ce que nous aimons bon Dieu passer toute bagaille? Qui ça nous a sous-estimé? Eh bien, nous a. Pardon, qui ça nous a apprécié? Moi, je préfère mon mot là. Plus que bon Dieu. Qui ça nous a apprécié? Plus. Qui ont brebis, qui ça nous a apprécié plus qui ont agneau. Donc il a parlé, c'est du poisson, Pierre, ou pêcher. C'est une bonne pêche, oui. Il a mené l'argent, oui. Il a mené un bon fond, bas, oui. Mais est-ce que ces bâtiments là ou aimer passer en âme? Ça, Christ a fait nous comprendre, c'est en âme important en pile. Amen, alléluia. On a important pile. Et est-ce que ou aimez moi plus que tout bagay? Trois fois posé question, monsieur trouvé quand il était triste parce qu'il dit mais où savent si moi aimé? Où savent Jésus? Mais pourquoi a posé moi question? Où savent? Où connaît tout bagay? Il était triste parce que pour un monde poser une question trois fois, ça veut dire que est-ce que mon a réellement cru ça m'a qu'a dire? Mais c'est pas quoi Christ paté quoi ça Pierre de Cadia mais il te voulait Pierre prendre conscience que la question est posée là est-ce que ou aimer moi donc maman est-ce que vraiment nous aimer Dieu passer toute bagarre moi quand il prend trois exemples en les trois noms riches trois exemples en les trois noms riches. Yon yon bay non, de yon pa bay non. Ini Job, ini nom riche l'entend Lazare, avec un lot nom riche qui te mande Jésus, qui sa pri fè pour la vie éternelle. Pour nous, en fait, trois noms riches là, nous connaît l'histoire Job bien, en Job chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Et la Bible a fait nous savoir, Job, c'était un homme riche en temps. En temps, Job, pas de monde qui était riche comme Job. Mais nous remarquons, en toute richesse, Job pas de l'amour en richesse, mais il était l'amour en bon Dieu. Et c'est ça qui est raconté. Moi, je vais pour comprendre vraiment, entendre nous, parce que le temps, j'ai déjà passé comme un million qui passait. Mais moi, je vais regarder par rapport aux richesses Job en disant, entendre nous, pour nous garder. Et nous, il marquait
in your low moon lay on bien en fait yo ka blier bon Dieu. Et pour garder les mains garder richesse Job, moi dit pour un homme tenir tout ça et il t'aimait aimé bon Dieu, moi garder entendre nous. Et l'or et l'argent li pas même compté. Juste et maison il pas même compté, pas compté valet taille mais uniquement c'est bête là il te dit tenir. Entends nous. Et moi il marqué Bougla te super oui. Entends nous. C'était un temps qu'on nous. Et pour l'instant, Tchèy n'est pas parti avec ça. Pour juste lire rapidement, Susie, connaître l'histoire, ce qui est passé. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Mm-hmm. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Mm-hmm. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait... Job chapitre 1. Hein? Oui, d'accord. Allons, laissez. Non, c'est pour oui, ça c'est pour monde qui pourrait suivre. Terminé. Laisse. Oui. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Qui ça était qu'à faire? Alléluia. Bon, nous avons une petite pause. Nous ouais Job là. Changez bien. Il qu'a parlé nous dit qui manière Job t'aille. Dans verset 1, qui ça nous est? Nous est, il était A, intègre et droit. Vous voyez ça bien? Intègre et droit. B, partie B, il dit nous, il était qu'à craindre Dieu. Et partie C, il dit nous, il était qu'à détourner du mal. Tu vois? Vous voyez? Ça veut dire que c'est un monde qui. Et mes dieux, m'a voulu offenser bon Dieu. Donc, il faut que un monde qui voulait aimer bon Dieu, il n'y pour apprendre être intègre et droit dans sa affaire. Amen. B, on n'y pour faire des façons pour sa crainte bon Dieu. Si nous craignons bon Dieu, la crainte de Dieu, il dit nous, et c'est lui qui a. Délivre ou du mal. L'homme qui a craint bon Dieu, avant il fait un bagage, il a réfléchi. Ça m'a fait, ce n'est pas est-ce que le monde a moi, mais est-ce que ça plaît bon Dieu. C'est ça l'important. C'est ça la crainte bon Dieu. La crainte bon Dieu, ce n'est pas le monde pas ouais moi, mais ça fait. Eh bien, je ne veux pas le monde moi. Non. Même si le monde mais le monde pas ça. Condamné, yo kay mal parlé, mais yo pas ça condamné. Amen. Yo même si yo jugé, mais yo pas ça condamné. C'est Jésus-Christ qui ni pouvoir pour faire ça. Donc au lieu de réfléchir dans monde, moi préfère réfléchir ça moi qu'a fait, est-ce que bon Dieu qu'a prend plaisir? Est-ce qu'il qu'a plaisir bon Dieu? Voilà ce qu'on nous connaît Joseph. Là il trouvé quoi? Devant Madame Potiphar, il dit, aïe, 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 moi c'est un monde qui met tout, mette en l'air tout bien moi. Mais est-ce que moi qui fais ça est déshonoré pour Dieu moi? C'est ça la crainte de Dieu. Bien souvent, de là, la crainte de Dieu, il a parti. Nous avons trouvé quand nous dans cette situation, lorsque, comme Bible a dit nous, chaque monde est tenté après d'avoir attiré et amorcé. Pas convoitise li. De ce que nous quitter convoitise d'avenir et puis, comment on va dire ça, nous, we entertain. Nous nourrit, bagay la, bien, le arrivé à, nous ka venir, nous ka tomba adan. Mais la crainte bon Dieu, laisse que nous ni la crainte bon Dieu, son bagay ka développé. Ça développé en didan,
Plus ou essayer vivre intègre avec toi, plus la crainte bon Dieu qui est venu. Plus nous essayer certains bagailles éviter en dit dans la vie nous et nous essayer de bout de combattre ou quand en mesi crainte là qui est venu. Et au même moment nous lâcher plus que nous ça qui a détruit nous plus crainte là qui est parti. Parce que si c'est pour garder bien, ça a commencé en chair. Lorsque ben, la parole nous garder, nous avons commencé à sentir qu'il a fait mal là, dans chair nous. Et plus que nous, oui, mal là, douleur qui a venu, moins, en misi, c'est pas vrai? Et juste à terre, il a venu, nous avons senti nous à l'aise avec ben là. Et c'est là nous avons fait facilement, parce que pour ti, il ca prend place en dedans chez nous et c'est là nous ca dit en fait nous a tristé l'esprit bon Dieu si tellement l'esprit bon Dieu pas qu'a trouvé quoi gêné encore en dedans nous parce qu'il ca parti. Est-ce que nous comprenons? Eh bien voilà, c'est comme ça en fait la crainte de Dieu ca parti. Mais nous voulons en fait quitter crainte bon Dieu en dedans chez nous. Côté lorsque un yé Satan vini, parce que Dieu a mis ça en tout ichli. C'est pourquoi nous lis bon Dieu connaître les biens et qui connaître les mal. Dieu a fait nous commettre ça. C'est pourquoi Paul te dit nous passons vivre quand nous devons vivre dans l'ancien passé nous. Lorsque nous sommes en mode là et nous ne pas connaître Christ. Là nous ne pas connaître Christ, nous ne pas tenir crainte, nous ne pas faire ça, etc. Amen. Mais là nous venons connaître Christ, c'est pourquoi un monde qui l'est tombé, ça a fait mal, ou qu'a pleuré, ou qu'a hélé, ou qu'a demandé bon Dieu pardon, et ou qu'a fait de façon pour ça pas arriver ou encore. Et c'est pas vrai. Ou qu'a fait de façon pour pas arriver ou encore parce que on y croit bon Dieu. Même manière il était qu'a parti, c'est même manière ou qu'a fait maintenant pour nous. Qui ça qu'a nous? Eh bien, ça qui va permettre qu'on y craigne bon Dieu. Ça qui va permettre ou éloigner du péché. Ça qui va permettre ou éloigner des circonstances-là qui va tirer crainte bon Dieu en disant tchao là. Eh bien, on va commencer à tourner ça et on va commencer. Si c'est musique, on va commencer à écouter bagaille spirituelle. Amen. Si c'est péché, on va commencer à garder bagaille qui va tirer et qui va faire les péchés venant chez moi. Qui manière pour vaincre ça? Donc c'est ça, on va commencer nous avec la crainte de Dieu qui a venu. Il est important, moi regardez pourquoi. Les trois choses ça là en dedans la vie, Job était important. Job te savent que m'a pris te détourner du mal. Et bien voilà, c'est comme ça. La crainte de Dieu, c'est ça qu'il a fait. La crainte de Dieu qui a permis qu'elle nous détourne nous du mal parce qu'on pas qu'il fait pour Dieu ou qu'à craindre bon Dieu. Et bien c'est ça Job était. Nous regardez un homme riche. Mais regardez comment il était. Continuez la lecture là. Jésus. Nous allons prendre. Nous allons verset. Verset 5. Voilà, 6. On n'est pas fini le verset 5. Oui, continuez. Lis. Alors, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait. Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Merci. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Amen. Donc, on nous prend verset 20 pour oublier. Je peux lire le restant, mais verset 20 à 22.
Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Amen. Verset 13, juste descendre, nous, c'est là Job perdit toute sa éternité. Amen. Nomlan, il tue intègre et droit, qu'un Dieu, et il a détourné du mal. Mais ce n'est pas ça qui a empêché l'ennemi d'essayer tantôt. Amen. Oui, ça bien. Quand l'ennemi ne peut pas nous attaquer, il a demandé permission à bon Dieu. Oui, ça bien. Satan pas de ça fait Job. Parce que il pas te joué la porte. Il bien dit mais ou j'a ba ou ka de toute sa bouglani, ou j'a béni toute sa bougla, ou j'a protégé toute sa bouglani. Bougla, il fait qui ça? Il intègre droit, il ka kwen nou, il ka éloigné du mal. Moi pas ça fait rien et puis en plus ou protégé. Mais tu es là mais on. Alors ça y ni pour garder. Il ka modou en face. Voilà. Eh bien, en fait, moi oui connaître ces qualités ça là. Il pas pour en bouche nous, mais il pour en tient nous. Amen. Nous comprenons ça bien. Il pas pour en bouche nous, mais il pour en tient nous. Parce que assis, l'ennemi qui a essayé nous. Et c'est ça qui vivait Job. Nous gardons, lorsque nous gardons ça, moi dis, waouh. Une évaluation approximative de la richesse de Job dans nos jours. Moi, je vais regarder ça bien. Il faut connaître plus belle richesse qui a commencé avec famille. Amen. 7 fils, 3 filles. D'ici. Ça, c'est une belle famille. Amen. Déjà, yon. L'on continue à lire toutes les autres, ou quand il voit toutes ces bails, ça, Job tenait un perdu. Ou quand imaginez, un seul jour, ou perdit 16 jours. Ou pas rester tête pour qu'on son vie mette en place. Oui ou non? Il pas rester tête pour qu'on son vie mette en place. Parce qu'on peut perdre tête ou un seul coup. 10 issues, moi-même, je vois. Donc, nous gardons, j'ai obtenu encore brebis 7000, c'est bien ça? 7000 brebis. On valait, nous évaluer ce qui était fait, 1 750 000 euros, ça c'est euros. Hein? Là, nous gardons. 300 000 chameaux. 3 000 chameaux qui étaient en valeur de 29 millions 40 000 euros. Parce que chameaux avant cher. Amen. Chameau, c'est parti pour Aïmoun. Et il y a 500 paires de bœuf, ça veut dire que 1000 bœuf. 500 paires. 500 paires. En paire aussi? Donc, 1000 bœufs qui tenaient une valeur de 2 400 000. Et puis, 500 ânes qui te fait ânes moins cher, bouik pas qu'à vendre cher. 600 000. Qui te gaban nous 33 790 000 euros. En bête seulement, imaginez-vous. Yon seul jour, ou ped yichou, et ou ped tout ça. Ou ped se kaila, parce que idou dife sorti, ek diabla,
vrai différent les maisons, toute maison consommée, tout le monde a dit. Imaginez, c'est là où vous savez si vous ni bon Dieu, et bien si vous aimez bon Dieu avec tout chèvre. Il tenait un nombre de serviteurs, il dit nous. Mais dans verset 13 jusqu'à 19, il dit nous, Job perdit tout bagaille. Vous imaginez? Il perd tout bagaille. Mais Job, c'est comme ça. Excuse-moi. Selon l'écriture, c'est comme ça Job était ça encouragé. Bon Dieu, bye, bon Dieu, point. Béni soit le nom du Seigneur. Mais en réalité, est-ce que c'est bon Dieu qui te prend? Dieu permettre l'ennemi mettre la main. Mais il dit c'est Satan qui allait. Est-ce que nous comprenons? Mais Job qui savent qu'il n'y a pas ni un lien avec Satan. Job savent c'est seul monde qui te savent mettre la main en l'air, c'est bon Dieu seulement. Donc Job peut encourager quand il compte ça. Mais en réalité, bien aimé, Dieu a sondé nous, mais ce n'est pas pour les meilleurs. Pour l'ennemi. Mais là, ils sont de nous, c'est pour meilleur qui a venu pour nous. Moi, je viens pour ça pour comprendre. Le bon Dieu qui sont de nous, il a sondé pour enterrer pour l'ennemi. Pour l'ennemi, il a venu pire parce que demain, on a venu plus. On a venu plus fort. Mais pour vous, le bon Dieu sondé, c'est pour vous, ça a venu meilleur. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Moi, tout bleu là. Les bon Dieu sont de moi, je préfère prendre le premier avant. C'est pour ça venir meilleur. Mais l'ennemi qui vient pire. Vous comprenez? Bon Dieu qui a béni ou qui vient meilleur. Mais côté à l'ennemi qui est attaqué ou là. Demain, si Dieu veut, Satan n'a pas été tué là parce qu'il y a un terreur pour lui. Pas qu'il passé. Est-ce que vous comprenez ça bien? Donc, on est pour tchimber la foi ou en bon Dieu. Et quel que soit ça qui passe en la vie. Ou. Parce que bien souvent, lorsque nous dit oui pour bon Dieu, l'ennemi a commencé à attaquer nous. À nous attaquer. Il accepte bon Dieu. Il change maître. À nous attaquer. À nous voir problème. Problème à travail. Problème à caillou. Problème tout partout. Vous avez dit, mais comment? Mais avant, moi, je connais Christ. Je connais mon problème comme ça. D'être qu'à entrer, problème pas ici. Où ça bouti? Elle m'a dit, oh papa, il change de maître. On nous attaque. Mais on est pour connaître, est-ce que vous aimez bon Dieu passer tout ça? Parce que n'oublie pas, demain, vous avez un terreur pour l'ennemi. C'est pour bien. Amen. Mais il est venu pire pour l'ennemi. Parce que là, il faut appeler demain si il est bon Dieu venu. Il ne peut pas meilleur encore. Amen. Amen. C'est un terreur pour l'ennemi. Mais pour bien pour vous. Donc, en quelque sorte, c'est bien bon Dieu qui a fait ban nous les vraies épreuves en les nous. C'est pour nous venir plus fort. Et pour l'ennemi, c'est qu'il on hein? En échec. Moi-même, Mouta, en échec. Là, regardez chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10. Nous ne pouvons pas lire ou connaître. Regardez bien, les Satan passent à passer parce que Job est courageux. Quoi. Satan allait et puis il dit bon Dieu mais pour tout ça en homme ni gabay pour la vie hein quitte moi meilleur la vie même moi ou dit moi pour tout ça bougla ni moi puis moi pas même quitte moi toucher bougla mais c'est normal bougla pas qu'il mordou en face mais si touche un homme debout c'est con homme là tout ça en homme ni gabay pour la vie quoi Satan malin hein? Donc c'est pour ça qu'il a voué maladie il a voué problème pour garder est-ce que soit 12 ans on est Christ et ou malade. Soit disant on est Christ et Christ pas Dieu où. Soit disant on est Christ ou capouillé il chou ka mort ma ou mort. Soit disant ouais l'ennemi ka accès à kizo pour faut comprendre. Soit disant bon Dieu dit un main au conseil ou un bon Dieu si tellement il pas fond bail ba. Ouais ça. Job bon Dieu dit aller, bon Dieu pas dit aller hein. Il frappe Job. Et si Satan, il couvre l'ipse des pieds en tête pour descendre en plat pied.
Mais Job, il était qu'à gratter quand il y a son et qu'on va pour soulager. Tout le monde lâché, même Madame Lee découragée. Et Madame Lee dit exactement ça, Satan te dit, bon Dieu, Job te kaye dit. L'autre dit, Madame Lee dit, mais Job, ou quand tu es bien intégrité ou encore? Ou quand tu es intégrité ou un homme encore? Mais maudit, bon Dieu, et puis moi, ça pas te Madame Lee. Madame Lee te hen en point faiblesse. Parce qu'elle te connaît Marie super wish. Parce qu'elle connaît Marie malade. Tu connaît Marie en forme. Marie perd tout bagay qui en l'état ça là. Toi camarade vini accusé Job. Toi plus bon camarade li accusé. Imaginez-vous pouvant tel effet. Comment on caillé? Est-ce que on caillé chambé intégrité? C'est pas là ou bien ou ka sav ki moun ki en entour. C'est là où tu veux qu'on atteigne. C'est là où ka sav ki moun ki en entour. C'est pas là tout bagay bien ou qu'il connaît un camarade et bon un ami. Mais là bagay pas qu'à aller bien pièce. C'est là où qu'à connaît l'ami. Ou pas qu'à connaît fidélité. Là tout bagay qu'à aller bien. Un monde qui fidèle ou qu'à connaît lui les bagay pas qu'à aller bien. Amen. Si c'est pas ça, la fidélité pas de qu'à faire sens. Comment qu'à connaît un monde fidèle? C'est quand rien pas qu'à aller. Comment vous connaissez sous une madame qui est fidèle, sous une mari qui est fidèle? Vous comprenez que tout le monde est bien? Non! Vous connaissez les bails pas calés mauvais. Les bails calés mauvais, pardon. Les bails calés mauvais. Les bails pas bon pièce. C'est là où vous avez une mari qui est fidèle et bon un homme qui est fidèle. Amen! Eh bien oui! Eh bien c'est ça, Job, en fait. Et oui, Dieu reconnaît lui. Et il doit laisser Satan partir dernière fois, il ne pas retourner encore. Ou je mette un Satan vivre des jours encore? Non. Eh bien, bien aimé, il faut nous connaître pourquoi Job pas te maudit bon Dieu en verset 10 là. Il pas maudit bon Dieu. Gardez qui ça, bon Dieu, qu'a dit nous. Job fait exactement ça, texte de là, c'est la vie de cas, pas ça. Somme 70, 10. Et regardez-nous, trust not in oppression and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Où est ça? Si richesses accroissent, pas. C'était Job. Richesse la vini. Mais Job, pas la tchèche. Non, parce qu'il connaît bien. Et le gars de Job, c'est un bonhomme. Il a des richesses, mais il n'a pas mis tchèche là-dedans. Et le gars de bien, il n'a pas tchèche ça. Il dit, bon Dieu, bye, bon Dieu. C'était pour encourager quoi. Et ça veut dire, c'est bon Dieu qui était bien ça. Bon, bref. Il est décidé. Ça y est. Mais il n'a pas tchèche quoi là-dedans. Nous promet que nous perdons des choses. Parce que nous perdons en famille, nous perdons en maison, nous perdons en voiture, nous perdons quelque chose, nous avons abandonné Christ pour ça, et bien nous avons tchembé à ce bon Dieu. Que nous connaissons, puisque nous sommes malades, et nous prions, et pasteur prier, et l'autre monde prier, et tout le monde qui prie, et qu'on ait ouais, pour qu'on ait une solution, pour qu'il te soit découragé, il faut perdre espoir en bon Dieu, et bien l'espoir en bon Dieu. Job dit, même si vers manger la chair, mais en l'esprit, moi savent n'aille bon Dieu. Donc ils savent, ils toujours avec bon Dieu. Qu'importe les situations, mais ils savent, ils caillent bon Dieu. Ça qui implante, rester en Christ. Ni la foi en Dieu. Est-ce que vous aimez bon Dieu plus que tout? Nous gardons par rapport aux fidélités Job. Là, vous gardez en Job 42, verset 12 à 15. Bon Dieu double tout ça été par Job. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Job tenait 7000 brebis, mais il venait ni 14000 brebis qui multipliaient en deux. 3 500 000. Il venait ni 600 chameaux. Vous pouvez imaginer 58 millions, 80 000. Vous pouvez imaginer tout ça, c'est vous. Il venait ni 20 000 brebis. 2000 bétail, bœuf.
qui 4 800 000. Il vient ni Milanes et il te dit 500. Vous pouvez imaginer ça? Qui a trouvé quoi? Maintenant, 1 200 000. Donc, il vient ni 67 580 euros. C'est pour nous garder en temps nous. Ça, c'est un bête. Et il dit, chaque monde est venu, il te cabaye en pièce l'or. L'or, par raconter pièce, c'était ton nombre pour raconter ça. Vous pouvez imaginer? L'argent, il n'a pas compté. Et preuve, pas qu'elle mène plus mal, mais épreuve, l'on quitte l'amour, bon Dieu, en tchao, qu'elle mène plus riche. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Il est important. Même si vous souffrez, mais ou qu'elle vini, plus riche. Ou qu'elle ni plus. Et si c'est pour regarder, yishlion, bon Dieu, pas multiplié. Bon Dieu, ben exactement. Il restait. Avec 7 garçons, 3 filles. Mais la différence, il dit, en d'un temps, la patine une femme qui était aussi belle qu'on s'est fait job là. Bah, bon Dieu, la main. Amen. Donc, ça, bon Dieu, de dit, Satan, ou point ça qui te taille, n'a multiplié bénédiction et n'a pas plus belle encore. Alléluia. N'a pas jaloux. Amen. Alléluia. Eh bien, c'est ça. Donc, amis, aimez bon Dieu. Ils ont pris à payer. Bon Dieu, qui béni richement. Pas découragé. Pas découragé. Mais fais confiance à Dieu. Nous te lis ça dans l'évangélisation, en Luc 16. Vietnam, wish là. Nous ne pouvons pas lire parce que vous connaissez lire. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Alors, il veut que vous lire pour nous connaissons l'homme qui est là, en fait. L'homme là, il était riche. Mais pas une fois où il parlait de bon Dieu, et bien il était qu'à chercher bon Dieu avant qu'il mort. Vous est ça bien? Est-ce que c'est pas vrai? Où il parlait de il était qu'à chercher bon Dieu uniquement. Là, il. Ça veut dire bien aimé. Dieu qui a nous richesse. Dieu qui a nous bagaille. Mais on nous pas fait sorte, on nous pas mettre toute la foi nous en les richesses nous et que nous oublier bon Dieu pendant nous ni. Amen. Mais fait qu'on Job malgré richesse la vini, Job pas mettre chey en dedans. Non wish la mettre chey en dans richesse li, il oublier bon Dieu et il perdu. Alléluia, il perdu. Il faut nous connaître, amen. Alléluia. The price of eternal life is no charge. So you cannot hold on to everything and lose your life. Le prix de la vie éternelle est gratuit. Vous ne pouvez donc pas tout conserver et perdre votre vie. Vous entendez ça bien? Vous voulez lire ça encore, Bayo? Vous voulez lire plus fort? Le prix de la vie éternelle est gratuit. Vous entendez ça bien? Prix de la vie éternelle, il fait comment, bien-aimé? Et gratuit. Vous ne pouvez donc pas tout conserver et perdre votre vie. Perdre votre vie. Et que sera-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, 36. Qui c'est qui a pour vivre? La vie éternelle est gratuite. Donc nous passons qu'à, parce que nous avons une richesse, nous perdons pour la petite seule âme nous avons et qui est plus chère. Amen. Amen, alléluia. Mais non, je ne suis pas de connaître ça. Il y a des richesses liées qui plient Namli. Amen. Mais Job garde Namli, mais ils savent bon Dieu, il y a une richesse, il ne met pas de richesse là. Il dit, richesse la vini, t'aide pas, mais moi, tu as bien le bon Dieu. Amen. Dernier, nous gardons. Alléluia. Merci Seigneur. Nous gardons. Un homme riche qui voulait la vie éternelle sans en payer les prix. Il voulait la vie éternelle, mais l'agneau l'autre homme qui pas te voulait payer prix. Un homme riche. Vous connaissez bien en disant Marc 19, 21 à 26. Il croyait en Jésus. Bon maître, qui ça pour moi faire? Matthieu. Ça me dit? Marc.
Je vais dire bêtise alors. Matthieu, Mali, ça m'a regardé. Désolé. Matthieu 19, 21 à 26. Lis pour nous fermer. 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Matthieu, tu es là? Oui. J'ai pris à partir du verset 21. Matthieu, chapitre 19. Ah non, j'ai verset 16. Désolé. 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux mensonges, de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens avec moi et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Alléluia. Amen. Donc, amis, c'est pour ça que nous avons, en fait, il faut coûter, il faut payer un prix. Nomme-le, il est content. Il t'est ni bien. Ça t'est bon pour lui. Mais il ne veut pas payer prix. Nous ne pouvons pas remarquer ça. Il ne veut pas payer aucun prix. Moi, je constate pour suivre Christ. Et ni on prie à prier. Il caille couteau toute bagaille pour aimer bon Dieu plus que toute bagaille. Pas comprendre, non? It will cost you everything to love God more than anything else. Cela vous coûtera tout pour aimer Dieu plus que tout. Autres choses. Il caille couteau tout, ça veut dire que tout pour tout. Sous pas bondier tout, ou caille ni tout. Sous pas bondier tout, ou pas ça ni. Et pour l'instant, l'esprit et l'âme était tellement dans richesse. Il pas même one quoi compte, bondier dit comme ça, bondier dit, en fait, basse ou nien et ou hani un trésor en ciel. Ça veut dire que moi hani un trésor pour où? Mais Job, il a, il pas gardé, laisse ça. Et gardez, bon Dieu, t'es ni plus pour lui. Et plus belle. Mais cet homme que Jésus a dit, moi hani mère pour où? Et ça me ni pour où? Il ka sort en ciel là même. Il s'est gardé. Aïe, aïe, aïe. Hein? A manifester compassion pour les autres, il pas ça fait. Ça veut dire que Bailey c'est ça, il a fait quoi les autres monde. Amen. Exactement, on vous rase. Qui me nous peut bailler nous encore? Égoïste encore. Avant. Ça veut dire que il ca ouais quoi et quoi tout seul. C'est pas ça l'autre monde. Ça pas rien pour faire. Et en fait, un royaume bon Dieu, c'est pas comme ça. Manifester la compassion à les yon à l'autre. Eh bien, amis, alléluia. Les disciples acceptaient de suivre Christ, quel que soit le prix. Oui, quel que soit le prix, ils acceptaient de suivre Christ. Parce que verset 29 là,
Pierre répondit alors, Pierre prend alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quel sera-t-il pour nous? Il pose la question. Qui ça nous kaini? Nous j'a suivons, nous j'a quitté tout bagay. Eh oui, qui ça nous kaini? Jésus est courageux pour ça. Maman est là. Sous aimé bon Dieu, plus passer tout bagay ou pas qu'à perdre rien. Parce que bon Dieu n'y a une récompense pour vous. Alléluia. Alléluia. No deep love for God will stay without recompense. Aucun amour profond pour Dieu ne restera sans récompense. Giza? Aucun amour profond pour Dieu ne restera sans récompense. Vivez-le encore. Aucun amour profond pour Dieu ne restera sans récompense. Ça bagarre était sans récompense. Pierre dit nous avons quitté tout. Ça veut dire que nous aimons plus passer tout ça. Nous aimons plus passer toute bagaille. Nous quittons toute bagaille suivre vous. Qui ça nous kaini? Qui ça Jésus dit? Gardez ça bien aimé. Nous pas pu perdre rien pour Christ. Parce que bon Dieu, quand vous mettez tout. Aimez bon Dieu plus que toute bagaille. Verset 28 à 29. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oui, bon Dieu, récompensez vous pour quitter toute bagaille. Vous êtes assis sur 12 trônes, vous êtes jugé peuple Israël. Continuez. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Bah bon Dieu gloire. Wow. Donc, tu me dis, pas gawe konou. Cette place-là pour les 12 trônes pour juger 12 tribus d'Israël, ce n'est pas pour nous. Aïe, 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 on bat ça. Amen. On bat ça, amen. Vous comprenez, c'est pour vous? Jésus parlait de bagailles là. Les disciples, ils étaient capables de directement par eux. Pierre posait, qui ça nous kaini? Parce que nous quittons toutes bagailles et poursuivons vous. Il dit, il fait, ils savent. Il dit, yo kai, en tant que fils, les kai retourné, yo kai assis en les 12 tribus parce que c'est 12 apôtres. Yo kai assis sur 12 trônes et yo kai jugé 12 tribus d'Israël. Mais après l'autre promesse là, c'est pour nous. Et il dit nous comme ça, et quiconque quittera, Amen. Fait quoi? À cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme et ses enfants aïe aïe aïe, c'est ça nom là pas de ça quitter. Alléluia. Il caritera sans plus. Il caritera la vie et la vie. La vie. La vie. La vie. Bah bon Dieu la main. Amen bon Dieu plus que tout. Que bon Dieu bénisse nous. Mais du bout. Merci Seigneur. Alléluia. Peut-être tout n'est mal à lâcher un bagaille. Alléluia. Pour suivre Christ. Et vous avez senti il difficile. Vous voulez suivre Christ, mais il n'y a bagaille. Ou pas à lâcher. Venez nous appuyer pour vous. Vous voulez suivre Christ, vous voulez marcher, puis. Mais il y a une des choses dans la vie qui est difficile pour lâcher. Vous vous sentez difficile. Vous passez à lâcher. Vous vous sentez des bagailles qui sont raides pour lâcher. Alléluia.